Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Coxsam and Delicious 2 sur PC. C'est parti pour un tour. Donc, comme je dis, on est niveau 48, il nous reste peu de temps pour arriver au niveau 50. Je pense que c'est là que j'arrêterai de jouer à ce jeu-là. Et on va essayer de nouveau resto pour voir un petit peu ce qu'il nous faut faire. Donc, on va voir combien de temps on met à passer au niveau suivant, même si ça risque de piquer un peu. Alors, hop là, PAS, 2, déjà il faut que je me rappelle des touches. 3, brocoli. 4. S, 1, tu veux quoi? Chicken oil. On va bien voir, hein, écoutez, comment ça va se passer. L'important c'est qu'on passe au niveau 49. Alors, T-Bone. Ah ouais, il va falloir que je fasse gaffe à la viande. Prime, seasoning, le 1, chicken gravy, 2, pour l'instant ça paraît trop méchant, mais en même temps c'est le début d'un niveau, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Pour l'instant ça va, la bière. On va essayer de pas se louper sur la bière, justement, comparé à hier. Pas si mal. Alors, livre du Potter House. Bon, pour l'instant, ça va, rien de très très compliqué. Par contre, j'ai l'impression que mon niveau va très très lentement monter. Donc ça va être très très lent pour réussir à atteindre le niveau le plus élevé. Et Rush Hour Alert. C'est pas bon signe, hein. Alors, chicken gravy. 2. PS. 3, tu veux quoi? PS. 4, tu veux du New York, machin chose. Donc ça va aller très vite pour ça. Prime seasoning. Le 6, est-ce que j'ai le temps? Ah, c'est super long, ce plat-là en particulier. C'est rigolo, ça. 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blinks, toujours 6 fois apparemment, ça change jamais. Steak oil. 3, il veut quoi le 3? New York. Alors le 4 et 3, il faut que je les envoie en même temps, un peu de choses près. 4, 3, 5. Le 1, il veut quoi? Steak oil. 4, porc. Voilà. 2. Steak gravy. Voilà, 4 DW. Moi je crois que je préfère comme ça, hein, sur les manettes Adolf. Hein. Steak gravy. 2 Steak oil. 3 T-Bones, vas-y. 6 Prime seasoning. Voilà. Le 3 c'est bon. Le 6, sanitize. Le 2, c'est bon. Steak gravy. Le 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seasoned. Voilà, le 3. Hop là. Le 4, steak oil. Le 5. Hop là. 6. Le 1, on peut envoyer. Le 3. T-Bones, on envoie. Le 2, Fenning. Le 3, le 4 est bon. 4, steak gravy. Le 3, c'est bon. Le 5, c'est bon. Donc c'était brocoli, hop là. 1, FS. Le 1, on refait aussi. Voilà, le 4. Le 6. Ouais, mais t'es sûr que c'est une manette officielle que t'as pris, là? Potter House, 2, First Sanitize.
Bah, il est possible que ce soit un officiel, je sais pas, je me rends pas compte, je me suis pas renseigné encore. Puisque pour l'instant, j'en ai pas besoin. T-Bones, 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Season. Hop là, 2, c'est quoi? Steak oil, 3. Chicken oil, 4. Season, 1. T-Bones. On verra bien, 5. 2. Steak et gravy. 1, c'est bon aussi. 3. Chicken gravy. 4 et 6. Et 5, c'est la bière. 3, c'est la bière. 2, c'est les poubelles. Le game qui stresse. Et ouais, Bella Guest. Mais comme d'habitude, il n'y restera pas très très longtemps. Readings. 2, c'est les toilettes. Il y a mon écran qui veut s'éteindre. Comment vas-tu quand même, Bella Guest? En espérant que tu ne sois pas reparti dans l'immédiat en voyant ce jeu. Chicken Oil. Rassure-toi, ce sera bientôt terminé, Bella Guest, hein. Le temps qu'on monte de niveau encore deux fois. Et ce sera fini. Donc encore une deux soirées. Il n'y aura plus de Cook Serve and Daily Shoes 2. Les soirs, on jouera à autre chose. Peut-être un autre jeu de gestion. On verra. 4T MMU. 3. Chicken Gravy. En week-end jusqu'à dimanche, c'est beau ça. Chicken gravy. Alors est-ce que c'est un perfect? Perfect combo 50. Nickel. Et voilà, 32, 50. C'est beau, ça me plaît. Donc ça va, bah tu m'étonnes. Quoique les week-ends ça passe toujours trop vite, hein, quelle que soit leur durée, hein, ou leur longueur, comme tu veux. Ok, donc ça c'est fait absolument. On a encore un resto à faire ici. Deuxième niveau avec de la soupe, ok. Ça, je crois que j'aimais pas trop le style. On va essayer de faire des restaurants qui nous agacent pas trop, en fait, qui sont plutôt calmes. On va essayer de refaire celui-ci. Ah, non, quand même, tu travailles dimanche, donc t'es pas en week-end jusqu'à lundi. Quelle idée. Donc t'es en week-end normal, mais en décalé, quoi. Soupe. Bibros, Boti N, donc N, oil, chicken, stew, oil, beef, peas, carottes. Pas bon. Parce que voilà, comme ils aiment bien faire ce genre de choses, stew, donc c'est oil, beef, peas, c'est E et non pas C, enfin épais comme d'habitude, parce qu'ils ont mis des patates. Hop là, 1, 2, 3, c'est fait, 4. Soupe. Les touches ne sont pas les bonnes. Stew, oil, beef, potato, peas. Le 5, oui, c'est possible que ce soit vendredi prochain. D'accord. Ce serait bien qu'on arrive au niveau 49 là. On n'est qu'à 9 minutes de vidéo, mais... Quand même pas trop de touches. Apparemment, c'est bon. Hop là, on continue. On a Jean-Claude Duss en fond. Je sais plus si c'était lui ou pas. J'ai voulu faire une référence parce qu'elle était tellement mauvaise. Par contre, c'est vrai que... Vous le dites, mais ils ont vraiment tellement tous l'air blasés dans le restaurant quand ils sont là, les gens. Regardez, ils font tous la gueule! Céleri, carotte, beans, mushroom, potato. Et le 3, il nous le faut aussi. Stew, oil, beef, peas, carotte, onions. Hop là, on va faire le 7. Classique, blue. Donc on peut envoyer 3, 4, 5. Ah bah non.
Le 6 et le 7, c'est bon, on peut envoyer. Le 1 et le 2, c'est bon aussi, on peut envoyer. Le 6 et le 7, c'est bon. Le 1, c'est du classique et on broue. Le 2, c'est bon. Ça, on peut croire qu'ils sont contents, mais en fait, non, même pas. Hein. 3, il nous faut du Tropix. Tropix était beau. 5, on va s'en occuper dès maintenant parce que les toilettes, ça peut être un peu embêtant. 4, 6. Ah mince, on a plus de stew, oil, beef, peas, carottes. Voilà, 1, 2, 7. 2, on n'a plus rien. Soupe. Céleri, carottes, beans, mushroom, potato. Voilà, le 3 est en train de se barrer. RUS, 6. Oil, beef, potatoes, onions, voilà. 3, c'est fait. Flush sanitize, 2, T, S, 1, 3, 4, 5. Sweet brew. 1. Les tacos sont sortis de la région de Lyon, c'est-à-dire? Quelle est cette question? Ah, on sait jamais, sûrement, t'as dit, ça peut passer, peut-être marcher. Ça me dit quelque chose, ça, par contre. Par contre, on a plus de soupe, là. Soupe. Céleri, beans, oil, chicken, potato. Vas-y, on fait cuire ça. En 4, c'était quoi? Bah, c'était de la soupe aussi, mais en entrée, cette fois-ci. Love, celery, carrot, beans, mushroom, potato. 5. Ça va le faire. On va y arriver. 1. Ah non, pourquoi? 2, 7, 3, Tropix, Rice, Shrimp, G-Beans, Oil, Sausage, 1, 2, 5, alors attends pour le reste. Ah bon? Je sais pas du tout. 8. Bon, j'aurais sûrement oublié d'ici peu, en fait. Catastrophe. Oil. Beef. Peas, carottes. Sweet. Blue. 4, 5. Ah, mais... Moi, il y a T-Freeze. Je sais pas, moi. Comme je dis, je cherche pas trop à savoir d'où ça vient, tant que c'est bon. 1, 4, 5. 2, D, W. Et ça, ces niveaux sont plutôt cool, mais en même temps, c'est les premiers niveaux ou le deuxième niveau de nouveau restaurant, donc ça paraît plus ou moins normal que ce soit pas trop compliqué. 6. En même temps, comme je vous dis, j'ai pas l'intention, là, maintenant, tout de suite, j'ai trop la flemme de me taper les niveaux ultra compliqués juste pour pouvoir monter au dernier niveau, quoi. Et voilà, encore un perfect. Ok, je pense qu'on va retourner en boucherie. Normalement, on devrait monter de niveau là aussi. On va dire que ça va fonctionner. Alors, ribs, en 2, on a pork, hop là, 3, 4, 5, c'est vrai que ça donne faim, 6, 7,
on peut y aller. Alors, Roast Beef, B-Sauce, Top Bun, 2. Roast Beef, B-Sauce, Top Bun, 3, c'est bon. 4, FS, c'est bon. Je suis même pas sûr d'avoir vu un jour ce film. Tu vois, c'est ça le pire. Si je connais la plupart des références de dernier, mais... Ah, je suis en train de me faire cambrioler. Bonjour monsieur. High kick, low kick, punch. Et voilà. C'est bon. J'imagine que je me fais voler la caisse si jamais le voleur réussit son coup. Ouais, donc tu vois, j'ai retenu le nom quand même. Et pourtant, je crois que j'ai jamais vu le film en entier. Mais jamais, hein. Ah, la musique est en train de descendre, c'est ce que ça veut dire. Débarquement immédiat. Colesco, Top Gun. 3. 4. J'appuie sur des touches, mais c'est n'importe quoi. 5, 6. A, C, Top Gun, 7, S, 8, Roast Beef, Spicy Sauce, Top Gun, 1, tu veux quoi? Roast Beef, Spicy Sauce, Top Gun, 4, les toilettes qui veulent se barrer, 2, nous avons Poulet Pork, Sauce, Top Gun, 3, c'est bon, 4, Ribs, Seasoning, 5, 6, Roast Beef, Spicy Sauce, Top Gun, 7, 8, Ribs, 1, on n'a plus de Ribs, donc on va essayer de faire des Ribs. De même en 5 on n'a plus rien. White 1 c'est de la bière. Le 7 on se dépêche. LCS. Je commence à avoir du mal à appuyer sur les touches. 6. 6. Je n'avais vu ce film. C'est les bronzés fondus ski non? RAS. J'ai jamais vu un entier en fait. J'en ai vu tellement d'extraits que voilà. Mais j'ai jamais vu en entier. Non, c'est bon. Ils ont pas considéré que j'avais fait une erreur, donc j'avais peur que... J'avais appuyé sur une touche en plus, mais comme elle correspond à rien, c'est bon. TS, 7... OMG. Je te parle plus. Mais tu sais, encore très peu de temps, j'avais jamais vu Forrest Gump. Hein. S... Par contre, j'ai vu les sous-doués passent le bac. Ça n'a aucun rapport, mais... J'ai juste vu le 7ème après, truc dans le genre. Cinq, Plate Pork, Colesco, Top Bun. On va refaire des trucs, là. S, 2, c'est quoi? Pork, AS, voilà, 3... OIS, le 1, on y va, Rasby, Spacy, Top Bun, le 4, on s'en occupe, TMM. Et je passe au niveau de 49, c'est bon ça. 6, TS, 7, LCS, 8. Ouais, mais je regardais pas trop la télé, j'ai jamais vraiment regardé, j'avais pas trop le droit. Et quand j'avais le droit, souvent je la regardais pour des. Je regardais casser des vidéos qu'on avait déjà, tu vois. Donc il y a des trucs que j'ai vu des dizaines et dizaines et dizaines de fois. Comme les aventures de Tintin par exemple. Hein. Ou Lucky Luke. Ah mais bon. Le pire c'est que Lucky Luke je me le fais encore régulièrement. Hein. Lonesome cowboy. And a long long way from home. Du, 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 du. Ça va être horrible parce que j'ai pas mais j'ai des écouteurs sous oreilles donc je dois chanter totalement faux. Du, 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 du. Et m'étrangler. C'est vraiment le film que je me faisais mais très 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 régulièrement. Et encore aujourd'hui. Hein. La balade de Dalton, c'est... Je regarde aussi beaucoup l'Astérix Obélix, quelques Disney.
6. S2. 3. Encore imperfect, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. De quoi, mais la guest? Je crois que j'ai jamais vu non plus aussi raide ce film. Bourville, il était sympa, Bourville. Mais c'est pareil, la 6ème compagnie, jamais vu. Ce genre de choses. Ce sont des éléments que moi j'ai jamais eu l'occasion de voir. La soupe aux choux, jamais vu non plus. Et voilà, niveau 49 atteint. Ah non, moi je croyais que c'était Étoile des Neiges, Pays Merveilleux, un truc comme ça. Peut-être qu'il y a une suite à ce refrain, à ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme truc qui est pas trop compliqué, qui pourrait nous permettre de monter de niveau assez facilement? Là, on n'a pas eu. Celui-là, en général, on réussit bien, mais on vient de le faire encore. Il nous manque toujours de resto. Hein. Parce que là, sur les 20 minutes restantes, on pourrait presque monter de niveau. On va revenir sur la boucherie, parce que pour l'instant, on la gère, la boucherie, donc ça fait monter de niveau facilement. C'est pas la 6ème compagnie qui s'appelle? Je sais plus. Là, je me rappelle même plus des titres, c'est dire. Je crois que je vais aller me faire du pain ce matin, moi. Ça me parle bien, ça. 87 pour moi. Puis l'avantage, au moins, c'est que d'habitude, le jeu est trop rapide, donc on n'a pas le temps de discuter. Là, au moins, en faisant un niveau qui est pas bien compliqué, ça passe. Ah, moi, j'avais pas vu qu'il y avait la poubelle en bas. C'est joyeux donc. Elles partent super vite les patates là. Débarquement, ça va arriver. De la bière, de toilettes, on n'a plus de ribs.
4, il veut un classique brew. Qu'on y va. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il veut quoi? Il veut un Tropics Blue. Hop là, le 7, c'est bon. Le 1, on y va. RAS. Le 2, on y va. Le 3, on y va. RAS. 4, c'est bon. 5, on y va. RAS. 6, RAS. On en a plus à nouveau. Donc, on y va. On en remet 5. C'est incroyable, ce jeu est rapide mais il m'endort. Vraiment. 8, 9, 2. Hop là, ça continue. Ah, ils vont tous périmer en même temps, donc on va éviter que ça nous arrive. On va acheter ce qu'il y a en trop. Histoire qu'on ne soit pas trop pris au dépourvu. Parce que de toute façon, ils vont se périmer, donc... TS. Le 6, on en profite. Des macaronis. Et le 7... du pain. Ah mais c'est sûr, je vais me faire du pain après, ça me donne tant envie. Hein. Puis l'odeur du pain au petit matin quand vous réveillez et tout, c'est... Enfin, pas quand vous réveillez parce qu'en l'occurrence je serai debout. Mais ça fait beaucoup de bien. L'odeur d'un truc qui est en train d'être préparé. Ça donne de la bouche, c'est agréable. 4 TCS, 5. AS, 3, 4, 6, 7, 8. Bonjour le 8. 9, 1, 8, 7, 6, on recommence. Ah, pas les bonnes touches, les cahiers d'un cran. LCS, 2, 4, 3, RAS, encore. On n'a plus de ribs. Voilà, 1 c'est bon, 4 c'est bon, 3 c'est du Peach Tea Brew. Le 8, TCS, le 6, on y va. S, le 5, Peach Tea Brew. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2, tu veux quoi? RAS. 1, ça. 4, ça. 6, Sweetie. On a 2 poubelles en même temps, c'est génial. 4 poubelles en même temps. 9, TCS. Je commence à rater les touches. 8, DW. Bonne nuit, Red Wolf. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi et à la prochaine. Cinq, sept. Un, deux. Deux, Peach Brew. Plus quand même un paquet de services hein, quand même sans perfect combo. C'est quand même assez impressionnant. J'aimerais bien m'étirer un peu mais je peux pas là. Encore une fois, fais de bonnes beaux rêves, Red. Merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi. Salut, quelle indignité, comment vas-tu? Et voilà, ça c'est beau. On a combien là? 49, on est presque à la moitié du niveau 49 hein, quand même. Comment allons-nous faire notre coup? Parce que faire tout le temps le même resto, ça va être un peu embêtant, non? Celui-là, il me semble qu'il était pas mal. Pas mal facile, hein, par contre, je précise. Là, c'est le choix de la facilité. On a fait les compliqués avant, on a vu ce que ça donnait. On a été de forcer les rapidités alors que j'ai très très peu dormi. On remercie encore les travaux géants qui n'ont jamais été annoncés devant chez moi. Tight, drumstick, breast breast, 2, hop là, 5.
Ça va bien de mon côté, je t'en remercie. Ça manque un peu de chocolat, je trouve. J'en avais pas envie tout à l'heure, mais là, ça commence. Un queso, guacamole, sour cream. Un, c'est bon. 3, c'est bon. Ah, j'ai le nez qui me gratte encore. 1, 2, TS, 3, TS. Non, peut-être pas toute la nuit. Après, je vais partir sur thème hospital. Peut-être pour encore 2 ou 3 heures de rediff, et puis après, je m'arrêterai, je pense. Parce que j'ai quand même des vidéos à monter et j'aimerais bien tourner encore une vidéo avant qu'on... que ce soit le début de l'heure des travaux en fait. Parce que sinon je pourrais pas tourner avec tout le bruit qu'ils font et le fait que ça fasse tomber des trucs des étagères là tellement ça vibre. Ça me fait même peur parce que je me dis, je suis parti me coucher en encodant une vidéo et je me suis dit si ça vibre à ce point là, le disque dur, j'espère qu'il a un truc pour amortir parce que... euh, 6, LCS, 7... Parce que s'il est en train de graver et que pendant ce temps-là, ben, ça tremble dans tous les sens, ça va pas être joyeux. On a plus de... on avait plus tout ce qu'il fallait. 8, ok. 8, tu veux quoi? Tight, Brest x 3, D, 9. Donc on va essayer d'envoyer tout ce qu'il y a. 3, 4, 5. Donc c'est en train de cuire pour le reste. 1, ok. 5, on y va. C'est bon, le 7, on y va aussi. Le 8, on peut servir normalement. Le 9, lemonade. 2, 3, 6. 1, c'est quoi? Tight, tight. Drumstick, breast, top là. Le 4, il est en train de se barrer. Il le veut tout seul. 8, on y va. Oh yes. Le 7, on peut servir. Le 5 est en train de se barrer, donc on va faire cuire. 1, 2, 3, hop là. Le 2, c'est les toilettes qui sont en train de se barrer aussi. 3. Bah, pour l'instant, le live n'est pas encore terminé. Non. On repassera sur Time Hospital. Enfin, Two Point Hospital. Non, 3, 5. Je suis en train de faire des grosses bêtises là. Pas bon ça. 7, 4, 3, 8, 6, 9, FS, voilà. Le 2 on peut envoyer. Tight, tight. Brest, D, 5. Donc j'ai pas joué toute la nuit non plus parce que je suis quand même assez fatigué. Et comme je dis, j'aimerais bien tourner une autre vidéo et monter un autre truc encore. 7. Donc là il est 1h12, je pense qu'à 3h ce sera coupé. Hein. Après je peux me tromper mais... on est 2, tu veux quoi? 1, 2, 3, drumstick, hop là. Le 1, tu veux quoi? 4 drumsticks, le 3 red sauce, guacamole, sour cream. 4, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 2, 3, 2, 1. Hop là, là c'est pas joyeux parce que ça s'accélère quand même. 1, 2, 1, 2. On plonge. Le 5 on peut livrer. Le 8 on peut livrer. Non, j'ai pas appuyé sur le bon. 8, 9, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. 3, oh yes. 4, c'est bon. On va juste refaire les 3 trucs là. Euh,
4. Non, non, non. 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 Je me suis dit que ça passerait et je me suis fait avoir. Je fais des bêtises, que plein de bêtises là, j'enchaîne. Quatre, deux, trois, quatre, cinq, huit, neuf. Il n'y a pas trop le temps de se reposer en fait avec tout ce qu'il y a à faire. T, M, S, il y en a un autre qui est tombé malade là-haut. Ah bah et donc le restaurant qui est pas propre du tout. Bravo Eti, bravo. C'est comme ça que tu sers tes clients dans les trucs dégueulasses. T'as pas honte? Ah bah c'est fini de toute façon. 3 tu veux quoi? Le 4 on peut servir de toute façon. Tight, 1, 2, 3, B, 6, 9, 1. Ah c'est dommage. On aurait pu avoir un perfect, c'est la première fois qu'on n'a pas un perfect sur Stretto d'ailleurs. Et je me demande, il est 36. Limite, je me demande si ça vaut pas le coup de faire une deuxième rediff pour terminer une bonne fois pour toutes avec ce jeu-là et qu'on passe à autre chose. On a une médaille d'or. Bonne nuit à toi, Albator. Faites beau rêve, prends soin de toi encore une fois. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci d'être venu, d'avoir participé. Du coup, bon manga à toi. À la prochaine. Encore merci à toi. Du coup, on est niveau 49, ça. Tu sais pas si je prolonge un petit peu. On tente de faire ça. Parce que je me dis, on est vraiment à deux pas du niveau 50. Ou alors j'en garde encore pour demain. Je sais pas encore demain sur quoi je vais laver. Ça va dépendre de... des jeux que j'ai à ma disposition là tout de suite maintenant, et comme j'en ai plein, ça complique les choses. Salut Trinda, le principe du jeu c'est de réussir à préparer des plats, donc nous avons des lettres à chaque fois, tu vois, et le but du jeu c'est de réussir à répondre aux gens avant qu'ils ne partent, tout simplement. Comment vas-tu? Pancake, pécan. Donc en fait, le jeu est en anglais. En haut à gauche, donc en dessous du truc de combo, du compteur de combo, nous avons les plats qui nous sont demandés, donc on en sélectionne un, on le prépare, donc tu vois, il y a la recette en bas, et les lettres à quoi, qui correspondent en haut à droite. Et donc on arrive à servir les plats dans le bon sens, et éviter qu'il y ait des mécontents. 3, Juicy, Milk, 4, aussi qu'on nettoie les toilettes, donc on gère, on fait le service d'un restaurant, en gros, on prépare la nourriture et tout. Chuck Crisp, Milk, Blueberry, c'est L, 2 c'est prêt, le 1 c'est parti, Cornflakes, Milk, Strawberries, le 3 faut jeter la poubelle, le 4 faut faire la vaisselle. Bon bah nickel si ça va. Ok, à plus. Bon, autre live du coup, à la prochaine. Ouze, Blue, 4. Mais c'est rigolo, on était presque une trentaine, et puis dès que je dis que je passe à ce jeu-là, on est descendu à une dizaine, et puis maintenant c'est une quinzaine, là. En tout. Toutes plateformes confondues. 1, tu veux quoi? Tu veux des cornflakes et du milk? Vas-y, est-ce qu'en 4, je peux refaire des entrées? Oui. Grits, seasoning. 5, on va essayer de se dépêcher. J'ai bien fait de mettre grape, cantaloupé, apple, tangerine. 1, tu veux quoi? Tu veux des cinnamon? Et c'est tout? Ok, 2, tu veux la poubelle, là. Ok, le 3, c'est... J'ai pas appuyé sur 3. Gravy, 3, il a pancake. On fait cuire le 5, cinnamon. Ok, juste cinnamon. 6, 6, il veut quoi? Biscuit gravy. Le 7, il veut quoi? Il veut du egg base, mozzarella, tomato, mushroom, onions, G-paper, air paper, spinach, j'espère... Ah, oh, c'était pas... Voilà, spinach, encore une fois, ils ont changé la lettre, donc ça va pas être la bonne. Ça, c'est agaçant. Comment perdre un point pour pas grand chose, quoi? Ouais, il va pas être content, forcément. Bah ouais, t'es pas content. C'est ta faute. Et changer les touches. On a plus de biscuits. On a plus de biscuits. Je répète, nous n'avons plus de biscuits. Le 6, faut qu'on envoie le 6. Pancake et blueberry. Le 4, faut qu'on envoie aussi.
M-Wheat, Milk, Blueberry. Le 2, c'est Pancake et Strawberry. Le 3, c'est quoi? C'est Cinnamon seulement. Le 4, c'est un petit coffee décaféiné, donc c'est parti. Le 2, Flush, Sanitize. Le 6, c'est un insecte qui se promène, donc on va tuer. Le 5, on peut servir, donc c'est du blé avec du gravy. Le 8, on y va, avec bay, mozzarella, tomato, mushroom, onions, j'ai pepper et paper, et spinach, c'est P, du coup, non pas S, comme une autre recette, egg base, ham, cheese, bacon, le 7, c'est quoi le 7, c'est pancake, 1, 2, 3, le 3, c'est quoi, c'est les poubelles, le 4 qui descend, c'est LCS, le 8, on peut servir, du coup, le 1 est prêt aussi, le 2, il veut quoi, il veut du M-Wheat avec du milk et des blueberries, le 3, il veut quoi, il veut du M-Wheat avec du milk et des bananas. Ok, le 4 c'est ça. D'accord, et c'est cool ça, c'est une bonne idée. 7, on dépêche, non ça a brûlé. Pécan, 2, biscuit, gravy. Le 1, FS. Le 3, pineapple juice. Le 5, pancake x3. On va refaire de ce qu'il nous demandait en deuxième plat. Le 4, TS. Le 8, c'est la poubelle qu'on va se dépêcher de faire si possible. Hop là, le 1 c'est les insectes, le 6 c'est quoi? C'est cornflakes, milk, le 5 nous avons du pancake et du strawberry, le 3 des W, RUS, le 2 biscuit gravy, le 1 pancake x3, le 4 flush sanitize, 2 cinnamon almond, c'est le débarquement. 1, pancake, pécan, 2, biscuit, gravy, 3, pancake, 4, pancake, 5, cinnamon, 6, cinnamon almonds, 7, egg, mozzarella, tomato, mushroom, onions, j'ai pepper, pepper, pinache, 8, décaf et brew, 3, pancake, blueberry, 4, pancake, strawberry, le 1, il veut quoi? Il veut du M-Wheat avec du milk, c'est parti. Le 2, il veut du biscuit avec du gravy. Le 3, il veut du Fiberblast avec du milk, c'est parti. Le 7 est en train de brûler, on serre. Le 6 est en train de se barrer, on le serre. Le 5 est en train de se barrer aussi, on le serre. Cornflakes, milk, banana, hop là. Donc 6 ensuite ici. House, brew, on y va. Le 7, on va le faire maintenant. RUS, le 8, on va servir aussi. Fiberblast, milk, voilà, on va refaire des biscuits vite fait, voilà, 2, cinnamon et cranberry, c'est R, c'est pas le touche, c'est pineapple juice, 3, M-Wheat, c'est milk, le 6, cinnamon, et c'est tout, on a plus de hot meal, 2, on va s'occuper de ça, gravy like hell, baby. 1, c'est pineapple juice, 2, egg, mozzarella, cheese, bacon, tomato, onion, sausage, spinach, le 4, on y va, biscuit, gravy, le 5, on y va, ah, j'ai pas pu sur la bonne touche, T7, 5, biscuit, gravy, heureusement que c'était un truc pas trop compliqué à préparer, cinnamon, cranberry, c'est R, c'est chaud là, ça commence vraiment à être chaud, 7, cinnamon, c'est parti, le 8, cinnamon, cranberry, c'est parti, 6, flush, sanitize, le 1 est parti, cornflakes, milk, strawberries, c'est parti, le 5 il veut quoi, TMMS, et c'est fini, donc si je fais pas d'erreur, on n'a pas un perfect, ah bah si, perfect combo, comment ça se fait, je croyais m'être raté, 4, cinnamon, et le 2, fiberblast, milk, perfect combo encore, nickel. Bah non, c'est pas parfait combo alors, pourquoi il me dit que... Ah non, je suis pas parfait combo, 2,47. Mais t'es bien raté. Ça, je crois qu'on va durer, on va faire durer un peu plus la vidéo, parce qu'on est à peine au niveau 49, et comme ça, ce sera la dernière qui aura sur le jeu. On va revenir sur quoi? On va revenir sur le boucher. Parce que je pense qu'on peut faire un perfect, donc monter au niveau 50 et obtenir le dernier morceau d'étoile. On n'aura pas débloqué le dernier restaurant, mais comme je vous le dis, on a fait le tour de ce jeu-là, on est à je sais plus combien de rediffusions. On en est à 34. Et on a vu plus ou moins, je pense, tout le principe. Et je vois qu'à chaque fois qu'on tombe dessus, ça vous agace, et pour certains d'entre vous en tout cas, et vous passez à autre chose, donc... yes, je vais pas dire que ça vous agace, mais... Zening 3, c'est... Yes. En fait, du coup, Trinita, pour te répondre aussi, on peut créer son propre resto.
C'est-à-dire que tu peux le décorer, etc. Ça ressemble beaucoup à des petits jeux du genre qu'on a sur Facebook ou autre. Au final, sauf que c'est un jeu qui est sur Steam. Hop là, 6, qu'avons-nous en 6? Paprika, S, voilà, 7. Gravy. 2, 3, 4, 5. Donc t'as l'avantage d'avoir des plats qui sont pré-préparés. En haut, dans la ligne du haut, en fait, c'est les plats que je pré-prépare. C'est-à-dire que, c'est bizarre de dire ça comme ça, soit t'es obligé de faire la recette pile quand le client arrive, soit tu peux préparer les recettes à l'avance et les livrer dès que le client arrive. Ce qui est le cas dans ce restaurant, c'est pour ça que j'ai sélectionné. C'est plus facile de le faire. De toute façon, Stringata, elle est partie depuis un bail, en fait. Mais je réponds quand même, et pour les autres, l'explication sera quand même présente. Gravy. Pour. Hop là, 1, TS, 3, flush sanitize. Je commence à avoir froid bas. 2, TMS, 3. Quatre, six, sept, sept, huit, neuf, dix, un, trois, quatre, cinq, six, deux, Tropics Blue, un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on va s'occuper de ça. S, neuf, c'est la bière. La bière, c'est partie des choses que je peux rater aussi, hein, assez facilement. On a plus de chili. Oil, ground meat, j'ai paper, corn. Allez hop, c'est parti. 2, pitch, blue. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 3. Mais ça se trouve, d'ici quelques jours, il y aura le PC de stream. Et du coup, je serai déjà sur les jeux qu'on ne pouvait pas filmer avant, en fait. Tomb Raider et autres. De porn DW. Alors on partira sur les dessins, tiens, ce serait pas bête. Un petit peu de dessin. On va jeter des plats pour les refaire, parce que là de toute façon ils vont périmer, donc ouais, ceux qui clignotent, c'est ceux qui sont arrivés au bout. Qui commencent à être périmés. Et on va monter au niveau 50, hein. Franchement, on va le terminer. Qu'on fasse un niveau comme celui-ci, après on est, et c'est réglé. On a plus de chili. All ground meat, j'ai peppers, corn, c'est parti. Le 1 c'est ok. Le 3 c'est les poubelles. Hop là, le 6. Le 6. Le 3. Non, mais le problème c'est que j'attends d'avoir le nouveau PC aussi pour ce qu'il y a tout leur jeu aux branches sur l'autre PC que je m'organise. Donc le dessin ça reprendra seulement à ce moment-là, je pense. Une fois que tout sera réinstallé. C'est débile, hein. C'est psychologique là, c'est la psychorigidité pure et dure. Un, deux. Donc on verra, peut-être que demain effectivement j'en ferai, mais je sais pas. Je vais pas promettre quoi que ce soit. À ce niveau-là. Il y a déjà plus d'entrée, au secours! Est-ce que je peux refaire une entrée vite fait en attendant entre deux plats, là? 7. Non! Un loupé! Non! Non! J'ai trop rempli le bol de trucs là. On a plus de chili. 5. Chili. Oil, ground meat, j'ai pepper, corn, onions.
Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, T, S, 6, 7, 8, 1, 4, 3, tu veux quoi? Tropix, Blue, 2. Je l'avais dit que la bière, ça risque d'arriver que je me loupe. 5. Ah, il manque tellement peu pour passer au niveau de... Ah bah ça y est, niveau 50. Ça y est, niveau 50. Bon bah on l'a fait. 3. 4. 1. Ouais, ton vrai visage sur une vieille photo, mon petit monsieur, hein? Tricheur. Voilà, you have rebuilt, donc vous avez reconstruit votre restaurant, et vous êtes monté jusqu'en haut de l'immeuble. Pour beaucoup, c'est assez for to the best in the world. Only half life done, good done. Donc en gros, on a fait que la moitié du jeu, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Pourquoi on est qu'à la moitié, là? C'est quoi cette arnaque? Ah, j'ai pas eu la deuxième photo. Bon, niveau 50, j'ai dit que je m'arrêterai au niveau 50, il y a sûrement des niveaux supplémentaires, hein, mais ouais, je pense qu'on ne reviendra plus sur le jeu après. Il reste des niveaux à débloquer, mais il y a un moment où il faut savoir aussi changer de jeu, quoi. Bref, du coup, on arrive au niveau 50, on est terminé pour Kuxama Delicious 2, je pense que je ne continuerai pas là-dessus, on changera un petit peu parce qu'on a plein d'autres jeux à faire. Donc... Encore merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements, en attendant encore un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée à la ciao tout le monde, salut. Et à la prochaine, ou du moins, à tout de suite, puisque le live continue.